Et bonjour tout le monde, ici Envole-moi 89 qui est là pour l'épisode, ouais, le 6 si je dis pas de conneries, de la saison 2 de The City. Donc tout ceci vous connaissez pas, c'est bout de map là, donc on est sur notre The City. C'est dès le passage, mais voilà. Donc je vais vous montrer des petites nouveautés sur la map. On est à l'alpha build 9 de la 0.12.1. Donc il se trouve que je pensais que normalement elle aurait dû sortir la version c'était mercredi, mais ça a été reporté pour ajouter quelques nouvelles fonctionnalités et des gros correctifs des bugs ajoutés par cette alpha build 9. Et il y en a encore des bugs, hein. J'en ai découvert un nouveau qui n'était pas avant. Donc je pense que ça prendra bien encore une semaine, hein, pour la rendre stable. Et je souhaite bon courage aux développeurs. Donc ouais, je montre, je survole à peu près toute cette zone-là. La dernière fois, on avait montré la zone résidentielle, parce que la zone business n'était pas encore étendue. Donc voilà, donc maintenant on est sur la... Donc là, je montre... On va se concentrer sur la petite zone business, qui est ici, où il y a beaucoup de commerce. Voilà. Encore en construction, donc ici on a un bar. Où il y a deux barman. Voilà. Donc, j'ai en profité pour dire que prochainement dans l'appli The City, vous aurez droit à des petites scénettes, des petits épisodes de temps en temps qui seront des comédies cube-like, pour ceux qui connaissent Comédie Cube de Gus et Porto. Tout ça sur PE sur la map The City, hein, donc voilà. Une imitation. Se base sur le même principe, mais après, pas du tout le même matos. Et à mon avis, pas les mêmes méthodes de travail. Voilà. Ici, on a une petite discothèque. Très simple. Donc, j'espère que ce sera le plus tôt possible qu'on pourra le faire. J'attends que ça passe la 0.12 point en version stable pour que ça enlève ce gros bandeau au-dessus là. Parce que c'est ça qui gêne et ça ferait pas très pro pour le montage. Hein. Puis, ici, il y a des bugs en plus. Cata. Donc je sais pas comment vous allez, mais moi ça va, perso ça va bien. Donc cet épisode est tourné le samedi de la semaine où il a été tourné. Donc aujourd'hui, le samedi 15 août, précisément, voilà. On est le 15 août. Et bon, là, LT Gold, LT Gigi Giga, j'ai mis Goldo, l'ancien nom, devra construire une discothèque ici. J'attends toujours qu'il vienne sur la map, hein. Je lui réserve un peu de taf. Hein. Céder le passage, ok. Je suis tout seul, donc ça va. On cède le passage à ma pomme, moi. Et là, c'était le Bibi's Car Garage. Certains ont pu apercevoir en capture d'écran. Je vais rentrer malgré qu'il y ait du monde. Bonjour, messieurs. C'est moi qui ai construit ce bâtiment, alors je rentre. Ouais, je monte sur les tables et tout, je m'en fous de votre avis. C'est à moi ça. Voilà. Merde. Ici c'est l'atelier. Et on a deux portes de garage. Une ici. Et une qui donne sur le parking. Voilà. En gros. On ressort. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, je commence à me renseigner sur un logiciel qui s'appelle Game Editor que j'ai installé sur mon vieil ordi sous l'Ubuntu 15.04. Très léger, qui permet de faire des jeux en 2D. Donc, je vais m'y intéresser pour faire pourquoi pas des trucs type Space Invader. Hein. Honnêtement, moi, ça peut être du très travaillé. Voilà. J'ai réfléchi, ça pourrait être sympa, comme ça je pourrais ensuite les présenter en vidéo ou les diffuser et être présenté par d'autres youtubeurs que je connais. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ce serait optimisé. Tiens, la station-service qui est à côté. Ah, golem de fer que j'avais spawné. Voilà. Tiens, je vais en faire apparaître un pour vous montrer. Ça marche bien sur PE. Toc, 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 toc.
rate à chaque fois. C'est trop, je la rate à chaque fois. Voilà. Maintenant, il y en a deux. Comme ça garde bien la station-service. Donc ici, on a un petit... C'est une pizzeria. Voilà. On va voir rentrer. Pour vous montrer. C'est très simple, hein. Ici, on a un autre bistrot. J'aime bien les bistrots, décidément. Voilà. Et ici, c'est un local à vendre. J'ai fait. Oui, là-bas, je vous ai déjà montré. Donc, on va partir par là. Non, j'ai rien construit par là-bas. Mais si j'ai construit ce gros bâtiment-là, que je vais vous montrer dans un instant. Voilà, donc je vous montre ici. Et l'autre bâtiment, je vais vous montrer ça, c'est la tour radio. C'est une tour radio. Et c'est PNJ 80, une radio rétro. Alors, comment écouter PNJ 80? Dans la The City. Alors, les fréquences, c'est tout en FM. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Et il y a son site internet en RedNet. Je m'inspire des adresses du mode Computercraft. Hein. On peut créer des sites internet dans Computercraft. Hein. Donc j'ai vu des vidéos, donc voilà. Donc je m'inspire de ce format-là pour le nom du site, c'est tout. Ici c'est un genre où les gens ils peuvent venir voir les fréquences et poser des questions. Là. Bon, j'ai pas mis encore d'accès ici. Voilà. J'ai juste fait ça. Là c'est marrant. Un bug graphique? Marrant. Voilà. Voilà, c'est ici. Et là il part d'ici. Et l'antenne là-haut elle diffuse. Voilà. Donc, je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais. Donc, on se retrouvera, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Sans l'épisode 7 de la The City. Ça, c'est de la saison 2 de The City. On se retrouvera. J'espère que j'aurai du contenu à vous proposer. Toujours plus de contenu. Hein. Le précieux contenu. Voilà. Je vais continuer à taper sur la map. Et je vous donnerai régulièrement des nouvelles sur le compte Google Plus de la chaîne. Il y a le lien dans la description comme sur toutes nos vidéos. Et bon, il y a le lien aussi de notre site internet officiel, mais qui est un site Google Site, mais j'y suis pas très souvent. Donc honnêtement, c'est pas encore la peine de cliquer. Autant quand je diffuserai peut-être la map de City un peu plus au téléchargement, je serai plus actif sur Google Site, mais là, c'est pas le cas. Tiens, d'ailleurs, pour l'épisode 7, je mettrai un nouveau lien de téléchargement de la map que j'aurai mis à jour d'ici là. Je le fais pas pour tout de suite, pour l'épisode 6. Je préfère le faire pour le 7. Allez, à plus!